Bonne soirée, mesdames et messieurs, sur le tv.lnh.com. Ça y est, Faïkal. Tente de profiter de la couverture. Finalement, ça passe. Ça manquait de conviction. C'est Kevin Veilleux qui intercepte. Encore une fois, Abby Faïkal. Oh, vers Boubek, il marque! Passe de Saïd Abby Faïkal qui semble avoir surpris Émile Sanson qui est allé d'un long déplacement. Il a la pression de Chermatov. Tourigny vers la garde. La garde vers Mimard, lancé sur réception. Ouellet, on avait bien couvert l'enclave du côté de Richer. On ne laissait aucune option. Attention, Tourigny en échappé. Il est poursuivi par Mickaël Tam. Tam qui lui soufflait dans le cou et... Rondelle qui va dans les airs, on tente, Drolet qui tente de décamper, voilà c'est fait, il est accompagné de Blackburn, de l'autre côté vers Blackburn, sur l'entrée, et le but! Oh là 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 là! Excellent déplacement de Guillaume Dessel qui a bloqué partiellement cette rondelle qui a quand même... À Jonquière, un sixième attaquant arrive, c'est Kevin Gadoury qui se rajoute, attention le retour, et le but! Alors Rondelle qui avait des yeux qui se rendent jusqu'à Émile Sanson qui tout de même fait le premier arrêt. Retour juteux à sa droite. Maintenant Bugeaud de l'autre côté vers Arsenault. Arsenault dans la gauche vers Gravel, vers Gadoury qui arrive en vitesse. Prend un lancer, c'est bien arrêté par Émile Sanson. 18 minutes 30 à faire à la période. On rappelle les marques à l'extérieur. Après une période de jeu, c'était 1-0 pour... Attention, c'est Christian Ouellet à la pointe. Ouellet, son lancé, ça a été dévié par Picard. Un deuxième lancé, encore une fois, un arrêt de sel. La rondelle se retrouve dans le coin. C'est intercepté. Attention, c'est Potvin qui pousse vers Gadoury. Gadoury en échappé, arrive devant le gardien de but. Son lancé, bien bloqué, ça passe par-dessus la cage. Veilleux vers le centre, c'est Chermatov qui reprend. Attention, Chermatov est rapide. Lancé de Chermatov, bel arrêt de Guillaume Dessel qui ne prend aucune chance. Dans la droite, c'est vers Mimard. Mimard avec Bussière à 2 contre 1 avec contre Mickaël Tam. Mimard tente la feinte, malheureusement. Chermatov a pris les freins. Vers Veilleux qui entre en zone. Veilleux se crée un chemin. Rondelle arrêtée par Guillaume Dessel en étirant la rondelle. Une demi-chance de marquer crédible du côté de Montcalm. On a bien joué du côté de Jonquière. Et voilà, c'est reparti. Oh, de l'autre côté vers Gravel. Ça va vers Gadoury. Gadoury dans le coin est arrêté par Gabriel Verpast. On sort de du territoire de Montcalm. Tourigny vers Bussière. Bussière devant le filet. Bel arrêt de Sanson. Dans la droite, c'est Marc-André Therrien. Devant Arsenault. Applique les freins. Il donne la compagnie de Picard. Son lancé. Oh, et le retour et le but! Un lancé qui semblait inoffensif de loin, arrêté par Guillaume Dessel. Et Picard, qui passait par là, prend un retour et dépose cette rondelle dans une cage laissée déserte. Et c'est là-dessus que prendra fin cette période. Oh, un peu de brasse de camarade dans le coin. Qui est là? Il y a Picard qui est là. Il y a Dallaire qui est là aussi. Je crois que c'est Raphaël Bussière qui en avait long à dire. Et encore une fois, Bussière qui voudra en rajouter. Dans le coin, Simard pousse un peu plus loin vers Verpast. Verpast, son lancé bloqué par Dessel, ça passe par-dessus le filet. Attention, le retour, les buts! Rondelle qui, encore une fois, échappe à Guillaume Dessel et s'est repris derrière le filet. Alors c'est parti, Mimard qui remet vers la garde. La garde tente de se frayer un chemin. Attention, c'est Richer de l'autre côté. Et le but! La garde qui échappe cette rondelle et Vincent Richer qui quitte sa position défensive. Accélère en territoire de Jonquière et remet la rondelle à sa gauche vers Tourigny. Un autre lancé arrêté par Guillaume Dessel. Et voilà, on sort du côté de Montcalm. C'est Bussière avec Abby Faïkal. On est 2 contre 2. Lancé de Bussière. Boulet à bout portant. Et voilà, on ira en prolongation, bien sûr. La saison a été teintée, de, comme je l'ai dit tantôt, de beaucoup de prolongations. Dominique Talbot Tassi d'entrée de jeu. Donc, c'est Tam qui est... Louis-Philippe Denis applique les freins, remet vers Denis en entrée de zone. Et le but! Oh là là, il n'aura fallu que 20 secondes à Jonquière pour marquer... Un lancé qui a surpris Guillaume Dessel entre les jambières. Il aimerait bien revoir ce lancé. Donc, défaite en prolongation des bâtisseurs, ça leur procure un point au classement. Il faudra jeter un œil sur ce qui se passe du côté de Rivière-du-Loup. Le sort des bâtisseurs sont dans les mains du 3L. Alors qu'on revoit la reprise, Louis-Philippe Denis qui remet à Louis-Philippe Simard, qui prend un lancé vif à la glace, qui surprend le gardien Guillaume Dessel.